Écoutez, j'ai pensé à ce qui s'est passé hier. Je sais que j'avais trop les boules de faire le tournoi de kung-fu, mais j'ai eu une révélation cette nuit. En fait, je suis un athlète. Mon atout numéro 1, c'est ma vitesse, ok? Je suis vif. Ouais, je suis vif. Rapide, comme un félin. Baba, vous voyez? Je suis rapide, hein? Et j'avais choisi la gymnastique en EPS. C'est le sport à l'école. Attention, une démo. Boum! Pas mal, hein? Boum! Pas mal, hein? Terrible! Et c'est pas fini! Mon oncle Rémi, il sortait avec une brésilienne. Et il s'était inscrit au jiu-jitsu. Et il m'a appris des petits trucs du genre clé, prise et tout le bazar, ok? Attaquez-moi. Ok. Vous voyez? Vous sentez? Ouais, je peux le casser. Mais je choisis de me retenir. C'est une pression de clé. Dangereux. Oh, il m'a aussi appris la capoeira, regardez. Je suis intouchable. Intouchable! C'était ancien. Ramasse ta veste. Oh. Bon, en gros, monsieur Ran, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai un énorme potentiel. Sérieux, comme je vous expliquais, je pourrais ne pas être si difficile à former qu'un autre. Accroche-la. Ok. Et maintenant? Décroche-la. Mais vous venez de... Décroche-la. Mets-la. Tu l'enlèves. J'ai déjà Enlève fait tout ta ça. Veste. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu je fais ça? Tu l'enlèves. Accroche ta veste. Décroche-la. Mets-la par terre. Ramasse-la. Accroche-la. Décroche-la. Mets ta veste. Enlève-la. Mets-la par terre. Ramasse-la. Accroche-la. Décroche-la. Mets-la. Enlève-la. Accroche-la. Monsieur Han, pourquoi vous avez une voiture au milieu de votre salon? Pas de place parking. Alors? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as appris?